aussi partenaire du Trophée des Grimpeurs depuis quelques années pour leur permettre, pour les aider justement à organiser de notre manière l'événement. C'est fantastique. Ouais, peut-être pas la première place maintenant, puisqu'on vieillit. Hein. Au début, c'est 2 km de plat, faut pas trop aller trop vite. Et puis après, la fin, c'est plus raide, donc avec la chaleur et tout. De toute façon, plus on monte en altitude, moins il fera chaud. 57 engagés. C'est très intéressant pour les organisateurs. Le seul souci, c'est que Émile Lavilly est malade, donc il n'a pas pu venir. Et c'est le Trophée des Grimpeurs qui gère la course. C'est pas le cas de Châtelbuillon. Voilà, et donc aujourd'hui, on a une épreuve dans un. C'est magnifique avec ces temps, ces paysages dont les coureurs n'ont peut-être pas le temps. De toute façon, personnellement, le 106, ça reste, c'est mes courses fétiches. Personnellement, c'est les courses qui sont les plus belles, vu le site et ainsi de suite. Et par contre, avec un temps comme ça, je pense que si les gens ne s'attardent pas en montant, ils essaieront de s'attarder à descendre pour regarder un petit peu le paysage. Pour profiter du spectacle. Parce qu'on arrive, on voit à 360 degrés, c'est super. Et la côte était bien dure avec la température bien élevée aussi, mais le paysage est magnifique. On fait des triathlons un peu, quoi. Ah, et c'est d'accord. Plus des triathlons nature. Alors vous êtes monté en combien, vous le savez? 30-50 et 35 minutes. Ouais. Surtout il a fallu gérer la chaleur. Ouais, c'est ça qui était le plus dur. T'as été plus vite que nous en moto. Le cadre, il est magnifique. Ouais, bah on est parti avec un quart d'heure d'écart et on finit avec 4 secondes d'écart. Ouais, on a à peu près le même niveau et là, ça s'est vu là. Ça, c'est un peu moins de 20 km. Moyenne à peu près de 22-26. Un peu moins vite par rapport à l'année dernière. C'est plus vite. C'est assez régulier, mais. Dur quand même. C'est dur quand même. Et puis, la montée est cool et c'est bien chaud quand même. Hein. L'eau, c'est de l'or ici, hein, avec ce temps. Hein. On redescend tranquillement, puis t'es gentil, on redescend là, tu vas avoir un bon coup là, d'accord?
Le vent de face. Ouais, le vent de face, c'était quand même. Le vent et la chaleur. J'ai vu à la Voulche, il me semble. Là, oui, exact. Ouais. Elle est dure. Elle est dure. Il y a des reculs, elle est belle, donc ouais. C'est pas évident. Ah, la course à pied, le trail, ouais. Le vélo, c'est tout ça, c'est. C'est complémentaire. Bah, le vélo est complémentaire de la course à pied. L'inverse, peut-être un peu moins, mais en préparation course à pied, le vélo, c'est top. Et félicitations, parce qu'on a vu les résultats du championnat de France. Merci. Ah, sympa, hein. Ouais, je suis plutôt content. Ouais. Et tout le club de Clermont a bien marché. Donc, c'est quoi les prochaines courses là, en trail? Le cross du Mont-Blanc, la semaine prochaine. Et la montée du Nidate, c'est une coupe du monde de course en montagne. Donc après, j'ai fait choper la France de trail et tout l'été en montagne. Tout le week-end, on va s'entraîner ici. Partenariat voilà, avec tous les deux là, et leur équipe, donc la commune, c'est les enfants du pays un petit peu, ils se plaisent ici. Et là, on est en train de voir avec eux là, pour créer des parcours de trail permanents sur l'ancienne station de Chambon-des-Neiges, sur le site de... Alors, ça sera Chambon-Montagne, Écosphère. C'est mythique ici. Voilà, c'est les deux cols mythiques empruntés, alors, je ne vais pas dire régulièrement, mais où le Tour de France est passé plusieurs fois. Et ouais, le critérium aussi, deux beaux tracés sur la commune. On a le triathlon début septembre. Voilà, avec le club de Clermont et la municipalité de Clermont aussi. Dans la patte aux joueurs. 58. Allez, on met tout. T'arrives, mais pile poil. Hein. Salut. Ça va? Oui, Trice à l'ESF, à super baisse. C'est vrai, très sympa. Mais on vient de Grenoble, alors on a l'habitude des cols qui montent comme ça, là. Donc là, on est obligé de faire du vélo, quoi. C'est pas marrant. Mais par contre, les paysages valent le coup. C'est vrai que l'Auvergne, ça reste toujours aussi beau. Hein. C'est très dur. Ouais. Nicolas Passard, je courais en deuxième catégorie dans les années 90. Voilà, j'ai arrêté de courir en 93. On souhaite toute la réussite au projet de Patrick Bulidon, hein, et puis d'autres pour justement recréer une équipe en Détroit, d'après ce que j'ai vu là. Oui, bah Patrick, il est motivé depuis toujours pour ça, donc je pense qu'ils finiront par y arriver. Hein. Faut être patient, ouais. Mais ça va se faire. Ouais, c'était une très belle montée, bien agréable, et puis on était un peu plus au frais, donc c'était sympa. Allez, on va procéder à la remise des prix. Première féminine, Marie-Laure Jens, 41-01, et j'appelle en même temps Nadia Robin, en 28-25. Oui, bah, merci, c'était une très belle montée, avec un paysage magnifique, et puis c'est toujours un plaisir de venir ici. Ça change de pouvoir faire cette montée chronométrée et c'est un bel effort. C'est une organisation absolument remarquable avec une bonne ambiance et voilà, rien à redire, on revient chaque année. Félicitations. Voilà Marie-Laure. Et le premier rang. Félicitations. Voilà. Alors il faut savoir, la fille de Margot et de Bruno, elle est née à quelques encablures de la finale du trophée de grimpeur à la Wouchiac. À la finale, et bien on lui avait offert un petit plan de Tsugi, lui avait offert un petit nounours, et depuis c'est notre mascotte. C'est la mascotte du trophée des grimpeurs. Le fagnon du trophée des grimpeurs. À monsieur le maire, Muriel, elle est là. Ça, c'est le trophée qui sera distribué à Chassé lors de la quatrième épreuve au classement général de chaque catégorie, le premier de chaque catégorie. Voilà, donc c'est ça, c'est le trophée du Chassé. Franchement, aujourd'hui, chapeau, mesdames, chapeau, messieurs, les plus jeunes, les plus anciens, pour avoir gravé l'ascension de la Cosa Robert sur cette quête. J'aimerais vous féliciter. On a vu vraiment une belle course avec des temps remarquables. Bravo aussi à l'organisation, mon cher Gérald, hein, voilà, qui avait travaillé vous aussi sur le trail avec toute mon équipe.
D'ailleurs, le profil de grimpeur, il faut savoir quand même qu'il a été fait pour ce qu'il nous court tous déjà à la base et que les gens se fassent plaisir. Je veux les mêmes têtes. J'adore ça parce que c'est preuve que ça fonctionne bien. Ça plaît. Il y a une super ambiance. Ah ouais, non, il n'y a pas de, ah ouais, pas de problème. Il y a un petit problème de placement. Ah mince, et on va essayer de rectifier ça. Tout se passe parfaitement. Georges Mancini. Voilà. Michael Latage, tous ces gars-là, c'est des gars, c'est des Mathieu Portefait, ce sont des gars qui sont sur tous les conflits. Tous les conflits, ils n'ouvrent pas une course. Voilà. Donc ça, c'est motivant pour les organisateurs. Je sais que je vous dis sur eux qui sont là, c'est hyper important. On verra bien sûr Philippe au sommet du Puy de Dôme. Je pense qu'on fera tout ce qu'il faudra pour le mettre. Tu connais bien le monde du cyclisme, tu connais beaucoup de monde dans le milieu du cyclisme. On peut imaginer qu'il y aura quand même des grands noms qui vont venir soutenir le trophée des grimpeurs au sommet du Puy de Dôme. Alors, une chose de sûre, c'est qu'on va en inviter. On va inviter du monde, ça c'est certain. Les gens qui ont déjà monté le Puy de Dôme de France, on les a déjà contactés. Voilà. S'ils sont disponibles, ils seront là. Je pense que Romain Barbier, s'il est disponible, il ne refusera pas parce qu'il est pareil à l'époque. Je pense que ce sera la solution obligatoire. Voilà. Après, il y a Cavagna, on va essayer de faire venir Cavagna. Voilà. Je pense que même au niveau de la société de France, on fera ce qu'il faut pour essayer d'inviter les gens qui gèrent un peu le temps. Ça va être un bel événement. Ah, c'est un bel événement, c'est sûr. C'est sûr. J'ai déjà contacté le siècle, mi-mars, il y a tout ça. Oui. Cyril, il m'a dit, je ne sais pas pourquoi je ne viens pas. On peut imaginer aussi Bernard Thévenet, s'il est disponible. J'ai l'impression qu'il avait bien apprécié le Sensi aussi. Ah, tout à fait. Bernard. Il n'a aucun regret d'être arrivé à Chastré. On parle de la montée du Puy de Dôme, mais il faut quand même savoir que le Puy de Dôme lui-même a été connu grâce au cyclisme. Voilà, si on rappelle un peu la montée mythique entre Anquille et Polydor, qui est restée dans les annales. Donc voilà, le Puy de Dôme est connu grâce à ça. Donc voilà, si le trophée des grimpeurs peut être la rampe de lancement pour d'autres épreuves internationales telles que le Tour, il faut le dire, bah, tant mieux, on est content. Bonjour, alors ici au col d'Apremorant, au Buron du col. Oui. Hein, et l'histoire avec le trophée des grimpeurs. C'est parti comment? La passion du sport déjà. Mon mari est un sportif qui est derrière ses fourneaux. Donc il partage cette passion avec ceux qui sont sur les pédales. Et voilà, nous on connaît depuis 4 ans maintenant le trophée des grimpeurs et puis on est super heureux de pouvoir donner une petite pierre. Une petite pierre, une belle pierre. Une belle pierre. À cette organisation. Il y a à la fois le plaisir de la course, mais il y a également le plaisir de manger des bons produits régionaux ici. Ben oui, c'est exactement ça. C'est les meilleurs truffades du coin. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est le côté convivial, le partage, tout ce qu'on retrouve dans le sport. Le Buron du col, il est incontournable, sauf qu'on fait des grimpeurs déjà. C'est vrai que c'est deux étapes qui sont la Croix-Saint-Robert et la Croix-Morand. Bon, je crois que depuis 4 ans, on vient manger ici. Et même si on pouvait en venir plus souvent, voilà, mais bon, de toute façon, on est toujours bien accueillis, ça c'est déjà cet avantage. Et je ne connais pas tous les plats qu'ils font, j'en connais vraiment un. Et je pense que la totalité des personnes, des 25 personnes qui sont là, prendront sûrement le même plat, sauf s'ils n'aiment pas le fromage.
Alors Bruno, un petit mot sur ce massif là. C'est le plus beau massif qu'on ait en France et on en parle, on va communiquer le Tour de France, les championnats du monde de ski, c'est l'objectif de Laurent pour 2024, et Claude, les championnats du monde 2025. Le trophée, le col, le bureau du col, c'est toute une histoire. C'est une belle histoire. Je suis venu lui demander l'électricité pour le gars qui fait le chrono. Exactement, ouais. Et c'est parti, il a sympathisé comme ça. Il dit ben, l'année prochaine, tu viens voir et je te fais. Ouais, moi j'aime le sport en général, mais le vélo d'autant plus. Donc voilà, c'était quelque chose d'incontournable qu'au moins on participe à cette belle époque. Très sympa. Qui est pour ce que les greffes.